Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour ACO et donc on s'était arrêté là. Il va falloir rejoindre la demeure de Bidule. Grandis, lueur! Approche! Oh, lueur! Oh, mon enfant! Tu es arrivé, enfin! Qui est cette âme? C'est le libérateur. Moi qui l'attends depuis si longtemps. Toi? Vite! Aide-moi à tirer mon enfant des griffes de la mort. Accomplissons le rite. Apporte-moi le chaudron. Je suis le maître des choses secrètes. La forme de l'âme qui repose dans les cieux. Otis, révèle-toi en ce jour et réponds-moi sans détour. Laisse tes yeux s'ouvrir. Dénué d'humidité, tu dois sortir du ruisseau. Otis, laisse leurs yeux s'ouvrir. Laisse tes yeux s'ouvrir. Jamais je m'égare. Quel est cet endroit oublié des dieux? Je dois continuer, ou le désert m'engloutira. Il y a quelqu'un là-bas? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tombeau? Je devrais me rapprocher de ces feux. Je dois continuer, ou le désert m'engloutira. Cette ombre, c'est le dévoreur des âmes. Je vous salue, gardien qui veillez aux portes. Qui avalait les âmes et dévorait les cadavres des défunts. J'ai fait un long voyage. J'ai vu d'innombrables choses. Je ne suis que l'un de vous.
Anubis, seigneur des morts. Ce vieux fou m'aurait empoisonné. Oh Nec, du poison. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. Yo. Pas invincible. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Ray, protège-moi. Là-bas. Celui qui repousse le destructeur. Il s'affaiblit. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Consolide le sanctuaire. Je saisis l'arc et je balaie le ciel.
tu vois. Papa. Tu m'apprendras à chasser. Ils sont revenus, tirés des griffes de celui qui plonge leurs yeux dans le noir. Mon enfant est en vie. Loués soient les dieux. Que vois-tu? Ton ennemi est le même que le sien. Refuse la nourriture du temple. Celui qui la prépare te fait ingérer la chair des morts. Va, tue l'empoisonneur, et libère Memphis de cette funeste engeance. Loué soit celui qui nous délivrera tous. Aya! Mon amour. Tout va bien? Mieux, maintenant que je te vois. Il y a une lueur étrange dans ton regard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rêvé de notre fils. Bayek. L'épouse du grand prêtre a été empoisonnée. Et selon son clairvoyant, l'empoisonneur est notre ennemi. Le lézard? C'est ce que je crois. Le taureau Apis aussi est à l'agonie. Nous devons nous rendre au temple. Nous parlerons de tes rêves en chemin. Viens, en bateau ce sera plus rapide. Alors? Quel effet ça te fait d'être Medjay de toute l'Égypte? Ah, c'est un peu comme suivre une colonie de fourmis. Mais je suis fier de servir ceux qui ont besoin d'aide. Moi aussi. Et je suis fier de servir la reine. Tu as parlé au grand prêtre? Oui, avant l'arrivée de la reine. Elle vient à Memphis? Oui. La dirigeante exilée se montre au cœur de l'Égypte ancienne. Ça risque de déplaire au jeune Ptolémée. Je suis si heureuse de te revoir, Bayek. Aya, tu es l'unique source de joie qui me reste. Je veux que tu reviennes près de moi. Je suis liée à la reine, je la sers. Et notre lien à nous? Il est toujours aussi fort, mais nous savons de quoi l'ordre est capable. Nous pouvons l'affronter côte à côte. Oh, j'ai fait une promesse à la reine. Qu'est-ce qu'elle t'apporte de plus que moi? Elle m'a offert un nouvel horizon. Je ne cesserai jamais de pleurer notre fils. Jamais. Mais je veux aider à bâtir un monde qui dépasse notre chagrin. Afin qu'aucune mère n'ait plus jamais à vivre ce que j'ai vécu. Quand j'aurai tué le lézard... Quand tu auras tué le lézard, je quitterai Memphis. Alors je te suivrai. Chassons ensemble, comme autrefois. Tu
Tu as dit que des rêves t'avaient troublé. Est-ce que tu veux m'en parler ? Non. Je préfère t'épargner ce fardeau. Nous devrons en parler un jour, lorsque la tempête sera passée. Lorsque la tempête sera passée. Si elle passe un jour. Oui, elle passera. Par où on commence ? Va inspecter l'enclos. Je vais parler aux prêtresses. Ah, je vois. C'est à moi de marcher dans la bouse. Bon, bah, il est temps d'inspecter. Alors, on a vu qu'il y avait des quêtes donc à faire. On a ça, qui est niveau 22. Par contre, on a également une autre quête ici. Ok, bon, on les fera après. On va inspecter d'abord. Ta fait certainement goûter l'eau du dieu. Ce sont des offrandes aux taureaux. Elles ont l'air saines. Au brillant, ta robe a perdu de son lustre. Et je te trouve bien maigre. Puisse à tort te donner des forces. Ok. Comme ça, on a vu les tours. Fourrage pour le taureau. Le reste doit être dans cette remise. Des noyaux de pêche. Si on en a donné à manger au taureau Apis, ça expliquerait son état. Et ce collier. Une des prêtresses jumelles en portait un semblable. Je vais aller voir si ça ne vient pas du collier de l'autre. Salutations. C'est bien ce que je pensais. L'une des prêtresses jumelles n'a pas de collier. Ça, c'est un moyen subtil d'empoisonner un animal. Mes sœurs, c'est sans doute un accident. Peut-être. Mais pas autant. Nous devions sauver Pancratès ! Hein ? Qui ? Notre frère ! Des bandits l'ont enlevé alors que nous allions au marché. Ils nous ont forcés à empoisonner le dieu. Ils ont menacé de jeter notre frère au crocodile. Depuis, nous en avons perdu le sommeil. Je suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous. Je n'aime pas ça. Ce ne sont pas des malédictions. C'est l'ordre qui est derrière tout ça. Va au temple d'Hathor sans moi. Je ne peux pas les laisser seuls. Ok. Bah, j'irai après parce que... Parce que du coup, on va faire les secondaires. Hop. Et on va enlever celle-ci, du coup. Et voilà. Oui. Là-bas. Bah, tu peux pas juste sauter là ? Merci. Je pensais quand même. Allez, go. Où est l'entrée? Ah, putain de merde. Ah bah oui, là. Je suis prêt à parler de mon rêve. Entendu, libérateur. Mais auparavant, tu dois m'aider. Comment ? J'ai des visions de danger. Un nuage sombre plane au-dessus de trois visages. Un aventurier, une amante et un mendiant sont en danger. Qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Donne à chacun une amulette qui les protégera des ténèbres. L'un, tu trouveras près du grand temple. L'autre, dans le quartier est. Et le dernier, dans les tunnels qui sont en dessous. Je t'attendrai sur les quais, près du bassin du grand temple.
C'est le bordel ici, hein, franchement. D'accord. Bon bah go là-bas. Sont très vigilants par ici. Connais le clairvoyant ? Il m'a aidé. Loué soient les dieux. Tu es prêt à te battre, Medjay ? Toujours. C'est réglé. Je suis libre! Quelqu'un espère nous prendre par surprise. Tu sais vraiment te battre? J'avais plutôt intérêt. Il m'était tombé dessus par surprise. Le clairvoyant t'offre cette amulette pour te protéger des dangers. Cette pierre ne nourrira pas mes enfants. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Espérons que la fortune te sourira. Pardonne-moi, j'ai mal réagi. Tu as risqué ta vie pour me venir en aide. Et moi, tant que je suis en vie, je peux protéger ma famille. Bon, la suite. Je ne demanderais pas mieux, moi, d'avoir de quoi payer ce que je vole. Laissez le passage. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Dont a parlé le clairvoyant. Je suis sur la bonne voie. Ah bah j'espère bien. C'est le bordel. Je suis arrivé trop tard pour sauver celui-là. Tout ça pour ça. Que les divins accompagnent ta route. Puisse cette amulette veiller sur ton cas.
Bon, heureusement que je suis allé par là, hein, parce que c'est vraiment pif que je me suis dit, bah, je vais être par là. Ah, tu plonges pas? En gros, j'ai fait ce truc et je vais me démerder pour ressortir. De marcher, mais ce serait mentir. Oublie ton orgueil. Je vais te porter. Mais non! Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Je n'ai rien à t'offrir en dehors de mes remerciements. Je trouverai ma récompense ailleurs. Le clairvoyant t'envoie cette amulette. Ses visions lui disent que tu as besoin de protection. Pourquoi je voudrais de cette chose? Prends-la, ça me libérera de mes devoirs. Bien. J'imagine que ça plaira à ma mère de me voir la porter. J'ai remis les trois amulettes. Je peux retourner chez le clairvoyant. Wow. T'aurais pas dû venir ici. Qu'est-ce que c'est que seras-tu? Bon bah c'est quoi ce bordel, sérieux? Ah bah hallucinant. Les amulettes. Oui, mais l'une d'elles est arrivée trop tard. Laquelle? Celle de l'aventurier. Il a connu une triste fin, une morsure de serpent. Triste nouvelle. Cependant, tu t'es acquitté de ta dette. Il existe une île sacrée, plus loin sur le fleuve mer. Conduis-moi là-bas, et je lèverai le rideau qui s'obstine à voiler tes cauchemars. Viens, libérateur. Dis-moi ce que tu as vu. J'ai vu. J'ai vu ce qui hante mon esprit chaque nuit depuis un an. On commence par une tempête de sable. Je me lève, franchis un couloir de ruines, je traverse la salle du jugement. Là, mon double dépose un cœur en pierre noire sur la balance. Le conflit, je veux bien, mais ah bah elle est là. Libérateur. Aimerais-tu être soulagé de ce qui tourmente ton sommeil? Il existe un rite qui le chassera à jamais de ton esprit. Oui. Alors vas-y. Plonge sous les eaux au sud d'ici. Et remonte la statue de Khnoum du temple englouti de Ramsès. Grâce à cette représentation du grand potier, nous pourrons accomplir le rite. D'accord. Rien que ça. Eh bah, bah écoute, y'a pas de soucis, hein.
Voilà. La statue. Je vais la rapporter au clairvoyant. Voilà la statue. Knoum, sculpteur des enfants. Il combattra Apep à ta place. Ce rite réclame la force de ton esprit. Assieds-toi près de moi et efforce-toi de méditer. Je dois m'adresser aux dieux. Grandis, ô lueur. Approche, ô lueur. Monte, ô lueur. Élève-toi, ô lueur. Toi qui en es dépourvu. Hein? Le clairvoyant est parti. Comment a-t-il pu quitter l'île? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a une missive, ce truc. Du coup, ouais. Eh ben, on va aller sur cette quête là. Donc, on va se taper là. Je me suis fait bien mal. Bon, et bien les loulous, on se laisse là. Donc je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye.